Mélina et Yannick formaient l'un des couples phares de cette cinquième saison de Mariés au premier regard sur M6. Mais au fur et à mesure des épisodes, le caractère et le comportement de la jeune femme vont être rapidement pointés du doigt sur les réseaux sociaux au point de devenir la cible préférée des internautes. La jeune femme pouvait toutefois compter sur le soutien de son beau-pompier pour faire barrage contre toutes ses médisances. Lors du bilan, les téléspectateurs apprenaient que les deux tourtereaux, qui ont eu un véritable coup de foudre, ont décidé de rester mariés, et quelques mois plus tard, ils prenaient la décision d'emménager ensemble. Alors que tout le monde les voyait heureux, ils annonçaient leur rupture. « Nos chemins se sont séparés mais je garde cette belle histoire à jamais gravée dans mon cœur. Mélina est une personne que je respecte et l'amour que je lui porte est sincère. Vivre ensemble sans réellement se connaître est parfois compliqué. » Si l'amour est un art difficile, la rupture l'est bien davantage encore. Son ex-épouse optait pour une longue story. « Je me dois d'être transparente avec vous, je ne peux plus attendre et faire semblant, mais aujourd'hui c'est terminé, je ne rentrerai pas dans les détails. Je respecte beaucoup Yannick mais on ne voyait pas les choses de la même manière. » Il faut savoir se préserver si on veut être heureux, je ne m'étalerai pas là-dessus. Les raisons me regardent, ça reste notre histoire et notre mariage, la page se tourne. Point, je lui souhaite que du bon et le meilleur. Avait-elle déclaré de son côté, gagnée par l'émotion. Il s'est passé des choses qui font que l'histoire est arrivée à sa fin. Les raisons du divorce révélées sur son compte Instagram, mercredi 26 mai, Mélina a expliqué que c'est Yannick qui a pris la décision d'arrêter leur histoire. Elle a mentionné qu'ils n'étaient pas encore divorcés mais que la procédure était en cours. Quand on aime vraiment une personne, ça ne part pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, des sentiments, il y en a encore, a-t-elle poursuivi. Yannick et moi, c'est vraiment mort. Je sais que vous espérez qu'on se remette ensemble, mais malheureusement, ou heureusement, ce n'est pas prévu. Comme elle le dit si bien, ça fait partie des épreuves de la vie. À voir également, dingue. Deux couples de la dernière saison de Mariés au premier regard annoncent leur divorce au même moment sur Instagram. La rédaction à lire aussi Adblock Test. Why?